Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister V-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 40 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, asseyez-vous confortablement, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir et kiffez au maximum cette aventure proposée dans une qualité inébranlable, si je puis me permettre. Cette petite remarque. Et hop, on saute. Je peux vous dire que dans 15 ans, vous aurez plaisir, et je serai sûrement déjà mort dans votre souffrance, à regarder cette aventure encore. Et ça, quel plaisir. Par où on va? Comme on dit dans le milieu. Je suis les points en pierre. Ok. Pas vrai, oh, j'ai des flèches. C'est elle est là. Ok. Bon, ils ont tous décidé de tourner de le dos à l'ennemi, si je puis me permettre. Oh non, mais oh, plus de recul, les gars, non? C'est ça que ça se passe chez McDonald's. Lève! Tu tiens le coup? Ouais! Bah, il prend le rien! Voilà, voilà, il y avait des ciseaux. C'était la tête, ça! Je me fais voler de ouf. Dépêche-toi! Ne laissez pas nous encercler! Ok. Là, je suis en mode énervé. On est pas mal. Bon. Je vois personne. Reste sur tes gardes. Ok. C'est pas facile, j'utilise pas assez la brique et j'ai des regrets, ça y est, j'ai des regrets. Abby, j'ai une idée. Non, 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 tes idées sont des mauvaises idées, frérot, d'accord? Ok, ça c'est pas mal. Des soins. Ça c'est clairement pas mal. J'ai l'impression que c'est le plus rare alors que c'est l'un des plus importants.
pour tirer au silencieux. Ok. Bon bah c'est bien. On a pu recharger nos armes et tout petit quanti. C'est quoi ton idée mon frérot? Je te suis. Oh! On a qu'à prendre ce cheval. Oh! Lève, allez. Allez viens bébé. C'est monté à cheval. Plus ou moins. Accroche-toi. Yeah. Baisse-toi. Continue à me guider. Là devant. C'est parti. Ah c'est beaucoup mieux. Bougez madame, bougez. Hop, voilà, désolé madame. On prend plus personne. Wouh. Ok, faut pas avoir peur mon pote. Parfait. Oh c'est chaud. Ah oh, c'est chaud. C'était voilà. Ultra stylé en vrai. Les pontons. Alors attendez. Ok, il faut qu'on se casse d'ici. Abby, par ici. Ouais mais en fait Abby, vraie guerre hein, il a vécu hein. Vraie guerre hein. Ok. On va faire un petit soin. Parce que là c'est complicado. Voilà, et on va en crafter un nouveau parce qu'on est large. Allez, nous en rire. Allez. C'était ultra stylé, hein. Franchement, j'ai préféré fermer ma gueule à apprécier. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette scène. J'ai fait genre un tir de livraison, c'est normal. Hop, ça c'était pas un tir de livraison. Elle nous sauvera! Aïe! Putain, mais elle est où cette chienne? Eh, vous êtes fort, hein, c'est un truc de ouf hein, aussi, hein. Ok.
Eux, des fois, ils résistent à des balles, frérot. C'est la tête, hein, qui le fait, hein. Ok. On va peut-être pas se brûler. Hop, je t'aide. Et maintenant, on passe à toi. Voilà. C'est bon ? Réglez-vous. Wouh ! Attendez là. C'est bon. Ok. Ça commence à devenir complicado tout ça. Totalement aveugle, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? J'arrive. Vois comme c'est compliqué là tout ce qui se passe ici. On n'est pas trop mal. Les deux gugus là que j'ai arraché là. Hop, micro cascade. Voilà, pas mal ça. Et eux là-haut. Hop, on va ramasser évidemment. Voilà, pas trop mal ça non plus. Bon, on est pas mal. Et vous savez quoi, pour le plaisir, on va passer en tir rafale. Parce qu'il faut s'amuser dans la vie. Alors, on dégage d'ici vite. Ok. On va finir par s'effondrer. Ça devient un petit peu petit cadeau. Cascade. Là. Allez, dépêche-toi. Hein. Ça va swinguer, on va se faire arracher la gueule. Hein. Dépêche-toi, mon pote. Ah, allez, lève-toi. Ça, c'est dans ma gueule. Allez, c'est rien, c'est la rue. Ça va être la rue, t'es prêt ou quoi? 1v1 situation! Voilà! Quoi? Bien joué à toi! Oh, bien joué à toi! C'est pas vrai! Voilà! Putain, il est jamais épuisé celui-là. Jamais épuisé. Oh, trois coups maintenant! Putain, il a changé son pattern. Bien joué. Allez, putain! Bon. Mon frérot, il est temps de terminer tout ça. Oh putain, je lui ai ouvert la bouche. Lâchez-moi, monsieur. Là. Chez moi. Il est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort, lui. Ah.
Lâchez-moi, monsieur. Voilà. Et là, dans l'œil, dans la gueule. C'est pas vrai. Ah. Oh. Ah. Voilà, c'est bon, il est mort. Ouais, oh, oh. Ça va, ça va. Il est mort. On regarde la barre. Il est bien mort. Ah, mais y'a pas mon sac. Y'a pas mon sac. Bon, bah, j'aurais plus mon stuff. C'est terminé. Terminado. Oh là là, ça swing. C'est un ticket final ou quoi là? Oh. Bonjour monsieur, il se reposait, c'est rien. Pousse. Allez. On s'en va tranquillement. Alors si personne nous tire dessus, c'est quand même problématique. Après on n'était pas trop cramé en vrai. Hein, avec le ponton, il a l'air assez surélevé. Il y a moyen qu'on soit pas grillé. Quelle vie, les amis. Ouais, je suis pas sûr que ça soit vraiment un abri. Ah bah Ellie a fait le boulot hein, en parallèle. Là ça va swinguer aussi. Oh là 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 là. Je sais ce qui nous attend, ça risque d'être terrible. Ok, bien joué, j'avais la clé. Je suis juste la boss. Allez. Ah ouais, j'ai plus dans le temps, j'ai plus rien, putain. Lève, prépare-toi, tu vas voir du macabé là-dedans. Abby arrête tout par des coups d'épaule et ça c'est important. Ça c'est important. C'est... C'est le chien que j'ai tué. Bon, après, le chien... oh là là, il avait rien à voir avec cette histoire. Il a mal été dressé aussi. Préparez vos mouchoirs. Attention. Thank you.
Abby. D'abord chercher un moyen d'entrer. Bon, c'est peut-être bien le dernier épisode. Allez, on se barre. T'es toujours avec moi, Lev? Oui. Bah, tu vas m'attendre dehors, en fait. On cherche ailleurs. Bon, tu vas m'attendre. Tu vas pas m'attendre tout de suite. Alors, tu vas m'aider à trouver un moyen. Par où on peut passer? Alors analysons ce magnifique théâtre. Il est beau, hein. Très beau théâtre qu'on a là. Sûrement par ici, je pense. Les guichets, non? Ah, regardez. Vous voyez cette lumière qui m'appelle? Voilà, c'est parfait. Allez, go. Bon, attrape l'échelle. Prêt? Allez, fais-moi tomber tout ça. Ok, on est bon. Magnifique, hein, la pluie et tout là qui tombe de la passerelle. Quand même, je suis partagé de ouf dans le sens où clairement Abby, bah je l'aime bien finalement, je l'aime bien, mais je pardonne toujours pas ce qu'elle a fait. Encore une fois, c'est elle qui a entraîné cette spirale infernale. C'était Joël qui l'avait entraîné, mais si elle ne cherchait pas la revanche, forcément il n'y aurait pas eu toute cette spirale. Et là, on va dire que chacun a pris sa mère de tous les côtés. Maintenant, venez les deux se calmer, ça serait pas mal. Il nous a suivi. Bah ouais, mais Einstein, t'as arraché Joël sans aucune putain de pitié, tu l'as fait souffrir. Pour ton daron claqué là, qui voulait tuer une gamine. Attention. Reste près de moi. Ok, on a rien. Viens, lève. On y va. Si Tommy y meurt, je vais faire un massacre, hein. Je crois que je sais pas reconnaître de l'or. Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. Main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde! Tu fais une belle connerie. Ne te retourne pas. Garde-le bien en joue. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche. Putain, enfoiré.
Jesse, lève-toi. Les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp. Lève-toi, j'ai dit. N'écoute-moi, je te dis. Toi, tu la fermes. D'accord. Arrête. Stop. Ah, elle m'a manqué. Jette ton arme. Jette ton arme. Merde. Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat. Attends. Sophie. Viens vite. Ah, mais je tirerai pas sur elle, je te préviens, Abby, hein. Reste ici. Ne me force pas. Ne pas partir. Normalement, Tommy n'est pas mort, hein. Il a pris une balle à l'épaule. Hein. T'as pas le droit de t'enfuir. Ah si, si, elle a totalement le droit, hein. Elle a enculé tous tes amis, sans aucune pression. Owen, j'étais pas trop pour. Abby, tu fais la maline aussi. Abby, tu fais la maline, là. Tu comprends ce qu'Ellie a subi quand t'as tué Joël devant ses yeux. Mais ouais, t'es une salope, Abby. Cadeau, ça. Hein. Pas envie de m'en prendre à Ellie non plus. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Oh, oh putain. Je croyais que c'était... Ah, oh, je croyais que c'était la fin du jeu. Bien joué, Abby. Bien joué, Ellie. Bien joué à vous tous. Yes. On a arraché Abby. J'ai eu ce que je voulais voir. Je m'en fous. J'ai vu Ellie te mettre une balle de pompe dans la tête et dans le corps. Je peux t'étouffer en paix. On a eu notre vraie fin. Ceci n'est qu'une fin aléatoire. Oh, elle a mal. Ah, bon, bah, j'ai mal aussi. Hop, voilà, ça c'est des coups de tête, c'est là où, hein. Merde. Allez, venez, on arrête, hein, maintenant les enfantillages, s'il vous plaît. Putain, c'est pas vrai, hein, ils vont jamais arrêter, hein.
Arrête. Stop. Elle a rien à voir avec tout ça. Elle est enceinte. Parfait. Abby. Je veux plus jamais te revoir. Viens. Pour le coup, les deux auraient pu faire un très très beau duo. Et c'est la montre de Joël. Hé, hey, mon bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Allez, tout va bien. C'est bon. Et on va s'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps il reste encore. Donc, si ça se trouve, il restera un épisode ou pas, quoi qu'il arrive. Si c'est vraiment la fin, un petit peu à la Uncharted 4. Ça me rappelle beaucoup Uncharted 4 d'ailleurs. Je la grefferai à cette vidéo-là. Ne vous en faites pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.